Hi, honey boo boos. One disclaimer, this is going to be a video in French, but there is subtitles. So if you need them, they're going to be right down below. Click on them if needed. Number two, I have some very exciting news, so stay tuned until the end to hear them out. Okay, bye. Bonjour mes chères cocottes et bienvenue à une nouvelle vidéo. C'est ça, it's been a while. Depuis que j'ai fait une vidéo en français, je crois que c'était en avril la dernière fois, donc it's about time I make a new one. Bienvenue à nouveau à Trilingual. On va essayer de parler français aujourd'hui. Super. Donc il est environ 11h. 11h30 du matin, je me suis levée il y a 10h et puis j'ai pris une douche et puis j'ai regardé tous les trucs que je dois faire aujourd'hui. Et là je vais partir au lycée, non c'est quoi, à l'université pour étudier. Je vais voir mes copines et on va aller manger. Donc ça c'est pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Et j'ai une leçon, c'est ça? Non je sais pas. J'ai un truc que je regardais qui commence à 3h et continue jusqu'à 6h de l'après-midi ou de la soirée, je sais pas quand est-ce que la soirée commence. Bref, là je vais faire, je vais prendre tous mes trucs que j'ai besoin dans mon sac et puis je vais partir. Et je suis en train de rentrer chez moi pour unwind avant que ma leçon, quoi que ce soit en français, commence à 3h. Et je vais faire un thé ou un café, quelque chose comme ça, pour relax et donner un peu de motivation avant de continuer à étudier. Donc j'ai cherché les mots sur internet, ça dit non c'est pas ça, conférence ou leçon. Donc je sais pas ce que vous utilisez en France, mais
Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que c'est lecture en français. Mais moi, je vais utiliser le son parce que vous savez tous ce que j'essayais. Vous savez tous ce que j'essaye de dire. Mince que c'est difficile de parler français maintenant. Aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'ai tongue tied. Donc, j'ai environ, je sais pas si j'ai 15 minutes ou une demi-heure avant que ma leçon commence. Parce que ça commence à 15h, mais normalement on a un truc qu'on appelle en finnois un akatemenevarti, qui veut dire un quart académique. Donc genre qu'on a 15 minutes pour nous retrouver à notre leçon. Donc si dans mon curriculum, ma leçon commence à 15h, en fait ça commence à 15h15. Mais là je suis pas sûre, donc je pense que je vais m'installer à 15h et puis on va voir quand la leçon va commencer. Mais là je vais mettre mon ordinateur, je vais charger mon ordinateur parce que j'ai genre 14% de batterie. Il me reste que ça et je sais que je vais avoir des problèmes sinon. Je viens aussi de manger mon déjeuner il y a environ une heure. On est allé manger avec ma copine vers 1h30. Mais j'ai pas filmé parce que j'ai oublié. Oups. Désolé. Mais ouais, là je vais faire mon café, mon pumpkin spice, parce que il fait vraiment, enfin c'est vraiment l'automne est arrivé au nord. Je vais vous montrer. Donc voilà, c'est pas encore super automne, mais it's here. Je sais, je suis très colorée, c'est ça le mot? Non. I'm very colorful aujourd'hui. Vous voyez pas, mais en moi, ma jupe, un peu de blanc et du rouge. Catching pictures up and singing songs, wondering what I did before you came along. Oh, you're just what I need, the best part of me. Somehow it keeps getting better. I waited forever. Bonjour, bonjour. Je pense que je vais laisser la recette pour le pumpkin spice à un autre jour. Mais les ingrédients sont super simples. En fait, tout ce que je fais, c'est un latte. Et je vais faire une vidéo séparément sur l'automne. Et je vais mettre la recette pour le pumpkin spice. So, stay tuned. I waited forever, better late than never. Taste test. C'est goûte complètement pumpkin spice latte. Ooh! Le basic girl à l'intérieur de moi is thriving. Ok, super. Maintenant je dois aller écouter la leçon parce qu'il est 15h dans 2 minutes.
comment est-ce que ma leçon était si longue? Elle était 3 heures. Le prochain jour, j'avais une leçon de 6 heures. Bon, de toute façon, je suis partie au supermarché après cela parce que je n'avais rien dans le frigo et je mourais de faim. Donc, je devais acheter quelque chose. Mais en partant, j'ai complètement oublié de prendre ma portefeuille. Donc, je devais faire demi-tour et retourner pour aller le chercher. Me voici hyper contente de cela. J'ai oublié de vous montrer les trucs que j'ai achetés parce que j'ai papoté avec ma mère en même temps que j'ai commencé à faire de la nourriture et que j'ai mis tout ce que j'ai acheté dans le frigo, etc. Mais là, je suis en train de... Enfin, j'ai déjà fait, donc j'attends que ce soit prêt. Mais j'ai fait du saumon, de la pâte au saumon. Ouais, avec du chou-fleur. Et je pense que je vais regarder soit Sex and the City ou soit Friends en même temps que je mange. Et je sais pas si j'ai de la fièvre ou non parce que j'ai super chaud soudain. Et je crois que oui, je crois que je suis en train de d'attraper peut-être un rhume. Et je crois que j'ai fait un peu trop aujourd'hui ou c'est le dernier jour. Donc je vais aller plutôt aujourd'hui dormir pour que ça part le plus vite possible. Genre froid comme normalement, je sais pas si j'ai de la fièvre ou quelque chose, mais je vais prendre un possible zinc. Et j'ai regardé quelques épisodes de Sex and the City, je me sens déjà mieux parce que j'ai aussi mangé, donc j'ai de la nouvelle énergie. Mais après cela, je vais sortir la poubelle parce qu'elle est la poubelle bio complètement remplie et je dois la sortir aujourd'hui. Je l'ai postpone pendant beaucoup de jours, mais là je dois vraiment le faire. Mais d'abord, je vais boire et je pense que je vais lire un peu. Intermission alert. So I have a podcast. I have a podcast now? That is correct, honey boo-boos. You can now hear my soothing tone on other platforms as well. So if you want to go and check it out, you can simply type in the search bar of Spotify, Mom Friend Hotline, and it should show up. I'm currently having some problems still with iTunes and uploading, but you can find it on SoundCloud and on Spotify. So please go and enjoy. Have a little hygge evening with me and let's go back to the vlog. Voilà, je suis toute prête pour aller me coucher. J'ai déjà brossé mes dents, etc. Je suis complètement épuisée. Mais voilà, ceci était ma journée productive. Elle aurait pu être un peu plus productive, mais en même temps, je trouve que j'ai fait plutôt beaucoup de choses. Et ça se voit parce que je suis complètement fatiguée, comme j'ai déjà dit. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que je vous papote en français. Si vous avez, let me know, you know, the thumbs up. Écrivez un petit commentaire si vous aimez que je vous papote en français. Je vais essayer de faire une vidéo en espagnol un de ces jours. Si vous avez quelque chose de spécial que vous voulez voir, dites-le moi dans les commentaires. Subscribe for more quality content et on va se voir dans la prochaine, le prochain lundi. À plus.